Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons changé quelque chose dans notre petite chaîne. Je suis un télo. Dans les vacances, on avait mis des vidéos où on jouait, on faisait des jeux sur Roblox. Maintenant, il y a l'école, on doit commencer à étudier. Mais maintenant, on a changé lecture tout terrain en mot de passe pour CE1. Commençons. Le loup et les sept chevreaux. Il était une fois une chèvre qui avait sept petits chevreaux qu'elle aimait très fort. Un jour, comme elle voulait aller chercher de quoi manger dans la forêt, elle les appela tous les sept et leur dit « Mes enfants, je m'en vais dans la forêt. Faites bien attention au loup. Si vous le laissez entrer, il vous mangera. C'est un malin qui sait se déguiser, mais vous le reconnaîtrez à sa grosse voix et à ses pattes noires. » Les chevreaux répondirent, « Maman chérie, nous serons très prudents, c'est promis. Tu peux partir sans t'inquiéter. » Alors la chèvre, rassurée, se mit en route. Peu de temps après, quelqu'un frappa à la porte et dit, « Ouvrez mes chers enfants, c'est votre maman qui rapporte quelque chose à chacun de vous. » Mais les petits chevreaux reconnurent le loup à cause de sa grosse voix. « Nous ne t'ouvrirons pas, » dirent-ils. « Tu n'es pas notre maman qui a une voix toute douce. Tu as une grosse voix. Tu es le loup. » Alors le loup alla acheter un gros bâton de craie chez l'épicier. Entre parenthèses, l'épicier, c'est la personne qui tient une épicerie, un magasin où l'on vend des produits alimentaires et des produits de tous les jours. Revenons au texte. Et le mangea tout entier pour adoucir sa voix. Puis, il revint, frappa à la porte et dit « Ouvrez, mes chers enfants, c'est votre maman qui rapporte quelque chose à chacun de vous. » Mais le loup avait posé sa patte noire contre la fenêtre. Les petits chevreaux la virent et s'écrièrent « Nous ne t'ouvrirons pas. Notre maman n'a pas une patte noire. Tu es le loup. » Le loup et les sept chevreaux collectionnent les petits cailloux